chers internautes, bienvenue dans votre deuxième numéro de votre rubrique à la découverte de la faune sauvage. Aujourd'hui, Vetowe vous fait découvrir un des 6 parcs nationaux du Sénégal, le parc des îles de la Madeleine. Bonjour, je suis le capitaine Basile Sagna, conservateur du parc national des îles de la Madeleine depuis décembre 2019. J'ai été nommé à ce poste. Et pour faire un peu l'historique du parc national des îles de la Madeleine, je dirais que les îles Madeleine ont vu leur apparition au Paléolithique. Ils étaient reliés au continent africain. Sa naissance remonte à 5 voire 7 millions d'années suite à une importante phase volcanique. Les témoins de cette phase volcanique sont le point de Anne, le point de Fan, le cap Maniel et l'île Gorée. Les premières présences humaines notées datent du Néolithique. Les témoins de cette époque, c'est les déchets de cuisine constitués d'amas que l'on rencontre dans le parc, des coquillages brisés, des ossements de poissons, des tessons de poterie. En 1444, Denis Diaz mit le premier les pieds sur les îles de la Madeleine. En 1494, Valentin Fernandez mentionne deux îlots avec beaucoup d'oiseaux, de coquillages et d'arbres verts. C'est les îles Madeleine et les îles Louis. En 1749, Adamson grave son nom d'amas sur l'écorce d'un baobab, d'où son nom scientifique d'Adamsonia digitata. En 1770, le sieur Lacombe construisit une case en pierre. Il venait d'acquérir le monopole de la culture des légumes, qui tourna également vite à l'échec. En 1787, un jardinier chevalier de Boufflers ramena un jeune plant de baobab de l'île des Madeleines pour le replanter près du hangar du marché de Gorée. Si vous allez à Gorée, vous allez voir cet arbre-là. En 1828, 120 mètres cubes de pierre sont prélevés des îles de la Madeleine pour la construction de l'église de Gorée. C'est cette falaise qui constitue aujourd'hui cette sorte de piscine naturelle qui est au cœur de l'île Madeleine. En 1944, échec d'un autre projet sur l'île, celui de la transformation en un centre éolien-marin de l'AOF. Donc le colon avait voulu créer une sorte de centre éolien au niveau de l'île, mais malheureusement ça n'a pas pu prospérer. En 1949, la faune et la flore des îles, protégées par décret, lui donnaient ainsi le statut de réserve ornithologique en 1949. En 1960, des chercheurs de l'IFAN mettent fin aux activités militaires sur l'île. C'est-à-dire, l'île servait par moment de centre d'entraînement. C'est pourquoi je vous dis, l'appellation l'île aux serpents, c'est le sergent Serpent qui souvent était envoyé là-bas pour une punition. Et en 1979, fut la date de création du PNIM par décret numéro 76-033 du 16 janvier 1976, grâce à la représentativité de son écosystème et la sacralité de son site. La présentation du PNIM. Les îles Madeleine font partie d'un ensemble de 4 îles cernant la presqu'île du Cap-Vert, c'est-à-dire Gorée, Ngor et l'île de Yoff. Sa position géographique, il est situé à l'ouest de la ville de Dakar, à 3,3 km de son poste de commandant. Sa superficie,
et de 45 hectares, dont 17 hectares pour la grande île, ou île aux serpents, qui culmine à 30 mètres d'altitude. 6 hectares pour les îles Loul, qui sont constituées un affleurement rocheux et une zone de nidification sur les flancs des falaises, et une partie maritime correspondant à une bande de 50 mètres à marée basse, ceinturant les îles d'une superficie de 22 hectares qui renferme une biodiversité marine très importante. Les atouts du Pinim. Valeur écologique, c'est le seul site de nidification des phaétons éthérés à bec rouge au Sénégal. Il y a également la présence de la sterne bridée, du baobab né et de buissons de hauteur inférieure à 5 mètres, c'est-à-dire l'arbre le plus géant au niveau du Pinim ne dépasse pas les 5 mètres de hauteur à cause de la présence d'un emprunt marin. La valeur culturelle est historique forte, c'est-à-dire le site abrite le génie protecteur de l'Ebou, que l'on appelle Ndeuk Daour. Il est environ respecté. Donc, ce Ndeuk Daour fait que ce lieu constitue un lieu de culte pour la collectivité Ebou, qui chaque moment, à chaque instant, s'y rend pour faire des offrandes. La valeur écotouristique sort du fait que la proximité de l'île avec la capitale et sa richesse, la richesse de ses eaux en biodiversité propice à la plongée sous-marine. Il y a également la présence de bassins naturels, sorte d'aquarium long de 30 mètres, large de 10 mètres et de faible profondeur. Cet aquarium, c'est ce dont je parlais tantôt, comme quoi était du matériau qui a été transporté à l'île de Gorée pour la construction de leur église. La naissance des îles de la Madeleine date d'il y a 5 à 7 millions d'années. Elle est découverte lors d'une importante phase volcanique. En refroidissant, ces coulées de lave ont formé ces magnifiques gerbes de roches. Le parc est officiellement créé en 1976. Ce parc abrite une biodiversité exceptionnelle et un magnifique écosystème qui s'est installé durant des millénaires. Dans ce parc, nous retrouvons des plantes, des oiseaux, des reptiles et mammifères terrestres. Il y vit aussi des mammifères marins, des insectes et papillons, des crustacés. Les îles de la Madeleine abritent un merveilleux sanctuaire pour les oiseaux sédentaires ou de passage. Peu dérangés par l'homme, ils y trouvent un site propice à leur reproduction. On y retrouve des espèces communautaires sénégalaises, tout comme quelques espèces impossibles à voir. C'est le cas du fou brun, de la sterne bridée, du phaéton. On peut croiser sur cette île le phaéton à bec rouge, le calao à bec rouge, le balbuza pêcheur, le fou de bassin, le corbeau pie, le tisserin à tête noire, le cochevis huppé, la sterne goquette, la sterne royale, le milan noir, le tourne-pierre à collier, le fou brun, le courlis collier chevalier guignette, le grand garvalo et le héron cendré. Trois oiseaux font la fierté de cette île. Le phaéton à bec rouge, c'est un magnifique oiseau appartenant au même ordre que les pélicans. Il est facilement reconnaissable à sa queue constituée de longues rectiles, à son corps robuste et à son puissant bec rouge. Il est essentiellement marin, excepté pour la reproduction, et passe la majeure partie de son temps dans les airs. Il peut peser entre 600 et 650 grammes, mesurer entre 90 et 105 cm et vit jusqu'à 17 années. Il ne pond qu'un nœud, sa population n'est pas essentiellement menacée. Le grand cormoran, c'est un oiseau plongeur et pêcheur, capable de rester sous l'eau plus d'une minute. Largement répandu dans le monde et très représenté dans le parc,
Sa population compte environ 400 individus. Il niche le plus souvent en colonie sur les corniches des falaises, mais aussi dans les arbres. Il mesure jusqu'à 90 cm, pèse entre 2000 et 2500 grammes et vit jusqu'à 27 années. Il se nourrit essentiellement de poissons et pond 6 œufs. La sterne bridée, c'est une espèce peu commune, très localisée. Elle ne rejoint l'île qu'en période de reproduction, de juin à septembre. Mais pendant le reste de l'année, elle est considérée comme une espèce pélagique. Ces oiseaux abandonnent facilement leur nid lorsqu'ils sont gênés par les activités humaines. Ils mesurent environ 38 cm, pèsent entre 95 et 150 grammes et vivent plus de 30 années. Ils ne pondent qu'un œuf. On retrouve aussi sur cette île les reptiles qui n'y sont pas très grandement représentés. Ils sont au nombre de 5, des lézards, un serpent et une tortue. L'émission du parc, c'est conserver les ressources biologiques et les habitats. C'est également gérer rationnellement le bien par les aménagements, la surveillance et le suivi écologique. L'autre mission, c'est aussi assurer une gestion intégrée du parc et sa périphérie par la mise en place des organes de gestion, renforcement des capacités, dynamisation des partenaires. Il y a également une mission d'information, sensibilisation et communication avec les populations riveraines pour une meilleure gestion du bien. Et la dernière, c'est valoriser les ressources du parc et promouvoir l'écotourisme. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Conserver les ressources biologiques et les habitats, c'est-à-dire l'ensemble des oiseaux que vous y trouverez, les poissons, la zone est une zone de frayère, c'est-à-dire une zone de reproduction des poissons. C'est pourquoi tout autour de l'île, on instaure des mesures de protection qui font que les pêcheurs ne s'y aventurent pas pour au moins arrêter le cycle de reproduction des poissons. C'est pour permettre aux poissons de se démultiplier et de pouvoir profiter aux populations riveraines. Donc, assurer une gestion intégrée du parc et de sa périphérie par la mise en place des organes de gestion. C'est-à-dire que le parc est géré, est co-géré avec les populations riveraines. Il y a un comité de gestion qui est mis en place. Il y a un comité d'éco-garde, c'est-à-dire un groupe d'éco-garde, c'est-à-dire des volontaires ici de la population locale qui travaillent ensemble avec nous pour au moins gérer les biens, afin que les quelques retombées de cette conservation puissent profiter aux populations locales. Mais comme toute activité, il y a beaucoup de contraintes dans la conservation des ressources naturelles du parc. Et parmi ces contraintes, il y a la pollution diverse, c'est-à-dire les déchets qui se déversent un peu partout. Et vous n'êtes pas sans savoir que juste à côté du PC, nous avons le débouché des canaux 4 et 6. Donc pratiquement toutes les eaux usées de Dakar qui empruntent le canal 4 ou le canal 6 finissent ici au niveau du PC, du parc national des îles de la Madeleine. Et par conséquent, pollue pratiquement toute la zone. Vous n'avez qu'à vous aventurer ici pendant l'hivernage, vous vous rendrez compte que pratiquement les eaux qui stagnent ici n'ont pas la même couleur que celles qui sont en profondeur de la mer. Il y a également, parmi ces contraintes, la pêche illicite dans sa partie maritime pour ce qui est du poisson et des fruits de mer. C'est-à-dire, au niveau d'un parc, les ressources sont gérées telles que rien ne sort, rien ne rentre et que tout devrait être conservé dedans. Mais malheureusement, il y a chaque jour des pêcheurs qui s'aventurent autour et même jusqu'au cœur même du parc national des îles de la Madeleine, du fait que nous n'avons pas les moyens suffisants pour aller chaque jour à leur retrousse.
Il y a également la délocalisation du PC qui prive les agents de la vue directe sur le parc. Là, j'en parlais tantôt. Je disais que le poste de commandement se trouvait à l'endroit où se trouve l'actuel Terre-Ubi. Donc, qui permettait aux agents d'avoir une vue directe sur le parc et tout ce qui s'y fait. Mais aujourd'hui, on l'a délocalisé, on l'a amené à un endroit où, pour regarder le parc, il faut vraiment faire plusieurs kilomètres pour moins pouvoir être en face du parc. Ça, c'est déjà c'est une contrainte. Donc, c'est en somme l'ensemble des éléments que je voulais mettre à votre disposition concernant ce parc-là. C'était tout pour ce numéro de votre rubrique à la découverte de la faune sauvage. Restez connectés pour de nouveaux numéros. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents comptes Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. VetoWebSN, au cœur de la médecine vétérinaire.